Ah, j'ai pas pris d'eau. Je vais pêcher une bouteille. J'arrive. Hop. Allez-y, on est totalement reparti. Mon Dieu, Galerian is coming. Reprendre. Donc on était arrivé au port de la Tessie, mais la Tessie, elle était closed. Et il y a le gang des gens relous en armure qui sont pas loin derrière. Je sais pas boire. Oh, putain, il faudrait pas une goutte en plus. Hein. Elles sont archi blindées les bouteilles d'Evian. Voilà, donc, héros, il me semble qu'on est genre bien. Ah, on a récupéré Jacqueline. Lui, il sert un peu à rien. Je vais mettre Alette à la place des guilles. Je trouve que lui, il est nul. Je préfère les archers, même si elle est très clairement en mousse. Faut qu'on l'up. Faut qu'on l'up. Ah, c'était ça sur lui. Volonté de tuer. Comment on garde ta volonté de tuer, Samy? Bonsoir, Latra. Comment va? Ah, de l'esquive. Il faut qu'il soit niveau 2. On verra. Prochain battle. Vous passez une journée entière dans l'Égypte. Tout le monde vous a raconté la même histoire. Le chef s'est enfermé dans la grande salle et a fermé les portes. Il y a beaucoup de blessés ici, ajoute Alette. Nous pourrions les aider. Chaudement. Je suis bien là, mais il fait pas chaud non plus. Egil vous tire à part. J'ai fait le tour de ces murailles, explique-t-il. Il y a un canal dans lequel nous pourrions nous glisser, je pense. Pas toute la caravane, mais si une poignée d'entre nous entre, nous pourrions ouvrir les portes de l'intérieur. Le gîte est envahi de réfugiés, de malades, de blessés et de bruit. Testez le canal. Je ne passerai pas, dit Hiver. Oh non, lorsque vous arrivez au conduit étroit, vas-y sans moi. Ce passage devrait te mener au sommet des murailles, puis en bas, aux portes, tu ouvriras. Lorsque Gil avait parlé du canal, vous auriez dû comprendre qu'il s'agissait d'égouts. Vous parvenez tout de même à vous faufiler dans la muraille et vous frayez un chemin à travers les grilles d'acier. Vous prenez les escaliers qui mènent au sommet des murailles. Alors que vous approchez des portes, des hommes armés vous remarquent. Ils ne posent pas de questions. Ils ne posent pas de questions, genre ils nous attaquent ou ouais. Bon bah finalement, on va reprendre Egil. Egil le nul. Ah! Mais je suis pas dans le nord. Arrête, ça va, je suis avec un énorme t-shirt et un petit short, là. Bon, j'ai des chaussettes en pilou-pilou, mais ça va. Ah! J'avais pas fait attention à ça. Mais sans archer, on va venir les mettre, là. Non, viens là, toi. Je me disais bien, c'est chelou qu'on ait un tour de strat sans pouvoir déplacer. Petit 29 quand même. Oh, c'est pas mal.
Ok. Oh, sérieux, à une casse, quoi, ma vie est nulle. Ah merde, ça a l'air chiant après. Ah, ça aurait peut-être été bien que. Ouais, que je le finisse. Faut que je commence à faire gaffe au bar. Allez, Egil le nul. Tiens. Ah ouais, mais non, j'ai pas envie qu'il kill Egil le nul. Non, faut pas qu'il kill Egil le nul. Parce que si Egil le nul, il. Alors, on va se calmer par contre. Si Egil le nul il kill, ça va être chiant parce que c'est lui qui va gagner l'XP. Tiens, bim. Du coup, fais foller! Ça va être oui! Oh, il résiste! Tiens, Jacqueline, toi tu peux attaquer par contre totalement. Non, c'est pas la peine. À deux. Hop là! Ça y est, elle peut s'améliorer là, Jacqueline. Par contre, Jean-Bobby, il est pas bien dans sa vie là. Lui un peu d'armure. Oh, il a qu'un PV! Ah! Hein! On va encore perdre un des deux frères. Il s'en fout. Oh, c'est beau. C'est beau. Putain, non, non, non. Vas-y, bouge. Move ton body. Ouais, parce que ça pue la merde. Tranquille, hier soir, j'ai full nuit pour farm toutes les montures. Oh, putain, la vache. Il y a trop de trucs que je veux farmer, mais il y a trop de trucs à faire sur ce. C'est compliqué. J'aurais pu le maxer. C'est dommage. Si je sais, il va encore faire un 6. Je vais laisser les autres un petit peu choper des points là. Elle déjà, elle améliore. C'est cool. Tu testes Dauntless? Oh, on l'avait fait à la sortie de la bêta là. Ça m'a pas. Ouais. C'est un Monster Hunter-like. On l'a testé. Quand il est en bêta, alpha, je sais pas quoi là. Pas la hype de fou. Enfin, j'ai préféré celui-là à Monster Hunter, mais. Oh, mais les gars. Short. Ah putain, il peut venir le finish ou pas? Ah, 20% sérieux! Kill! Ah non! Oh, c'est bon, il a pas attaqué le mauvais frère. Ah, 3, très bien. Non, à 3. On va l'offrir. Mais foutez-moi la paix, mon dodu. Jacquelinette, c'est bon, elle a déjà eu, elle. C'est les autres que je veux voir. Voilà, genre elle. 3-1. Allez, bim! Très bien. 3. Bah écoute, allez. M'arrêter d'éviter comme ça. Attends, je vais le choper dans le dos. Non, on va pas faire ça. Ça.
Allez, un PV, un PV. La manette, c'est à même. Normalement, on a deux up. Guerrier du ciel. Allez. Massacreur. Allez. Ah, il s'améliore encore, ce con. J'ai kill avec lui. Ah. Bon, ça va devenir notre archer le plus badass. Bon Dieu, mais qu'est-ce que tu fais? Trouver un moyen d'entrer. Je vois ça, je suis impressionnée. Et mais tous les gens que tu as laissés ici, morts, toutes ces femmes et enfants, morts. Et merci d'avoir tué les seuls à tenir cette ville debout, les Skulls. De quoi est-ce que tu parles? L'homme ordonne à ses gardes de refermer les portes avant que plus de réfugiés ne les remarquent. Si j'avais su qu'il y avait des guerriers et un Varl dehors, je t'aurais fait entrer. Je suis... Ekil, je commande ici. Tu as entendu parler du chef? Nous avons entendu dire qu'il se cache dans la grande salle. Oh, vraiment? Tu voulais dire se cacher dans une tombe? Il mange des vers au cas où ce n'était pas clair. Mais que s'est-il passé? Dès qu'ils ont appris que les Dredge arrivaient, tous ceux qui étaient... Tous ceux en état de soulever une hache en ont pris une. C'est de l'histoire en version courte, en gros. Au moins, trois clans ici se battent pour des territoires et de la nourriture, et les pires sont ces satanés Varls. Ils dévisagent Ivor et se raclent la gorge avec exagération, comme s'ils voulaient insister. Nous ne sommes plus en danger qu'ici que dehors? Écoute, j'étais aux commandes ici avant que les choses tournent mal. Tu as de bons guerriers, tu as ton propre Varl, ce n'est pas négligeable. Je peux faire en sorte que les tiens soient en sécurité dans la grande salle. Tu te bats pour moi et pour reprendre force. Je ne prends pas parti, trop difficile de savoir quand les gentils deviennent les méchants. Très bien, libère ces moutons et occupe-toi d'eux, ça m'est égal. Tout ce que je veux pour le moment, c'est quitter ces satanées rues. Réfléchis bien ce que tu veux. Vas-y. Vous sentez qu'Eric vous juge immédiatement. Les mains serrées sur sa hache, il renifle, changeant d'avis. Bonne chance alors. J'espère qu'on se retrouvera pas à se battre sur les mêmes rives. Les portes se referment et qu'il et ses hommes disparaissent dans les allées sombres. J'espère que tu sais ce que nous faisons. Je réfléchis au fur et à mesure, Ivor. J'aimais pas sa tête de cheveux ébouriffés là. Puis regardez mal Ivor. Ouais. On repart avec les autres gens, Bobby. Coucou Yuni. En fait, on va avancer progressivement avec un groupe, puis l'autre groupe, puis tout ça, tout ça. Hakon, nous sommes de retour. J'ai recruté autant de guerriers que tu le souhaites à Strand et j'ai obtenu d'autres armes et d'autres vivres. Cool. Putain, 200 vivres, cool. Vous vous reprenez et réalisant que Mogre vous parle depuis la mort de Vonir, tout le monde s'attend à ce que vous preniez les décisions. C'est épuisant. Hakon? Je disais que les Varls que nous avons envoyés à Astron sont de retour. Le gouverneur nous a accordé la majorité de ce que nous avons demandé. Très bien, le gouverneur a fait de la résistance. Certains, je ne pense pas qu'il était ravi que nous achetions ces hommes avec, avec son propre argent. Il a aussi insisté pour que nous prenions l'un de ses laquais pour surveiller ses biens. Un homme du nom d'Eric. Oh putain, on le connaît lui. Eric? Je l'ai rencontré, il a l'air compétent. Mais il faudrait que le gouverneur s'y fasse s'il ne veut pas que les Dredge attaquent sa ville. Nous avons massacré tous les bandits qui sont passés par ici pendant notre absence. Arrêtons les bavardages dans ce cas. Vous êtes sûr que vous êtes guéri, Ludin? Ah oui, Ludin qui s'était lancé à corps perdu, se battait avec des Dredge et qui s'était écrasé comme un gros caca. Je suis d'accord, la situation est déjà suffisamment dangereuse. Si quelque chose devait arriver au prince alors qu'il est en mission amicale, l'alliance ne s'en remettrait pas. Ou pire. Il a raison, Ludin, retournez à Strand, rentrez chez vous. Vas-y, rentre chez toi, Ludin. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas censé être des grands tueurs de Dredge? Comment ont-ils pu arriver si au sud? Nous ne sommes pas les gardiens du monde, n'utilisez pas ce ton avec moi. S'ils sont ici, c'est que quelque chose de grave a eu lieu à Shrid, et vous ne devriez pas être ici.
Nous n'étions pas censés faire ça tout de suite. Je ne revivrai pas la même chose une seconde fois. Soit tu m'accompagnes sur la route vagabonde, soit tu fais ton travail et tu vas massacrer les Dredge. Ludin se retourne soudainement, l'air renfrogné, et s'en va vers les tentes de ses hommes. Vu notre nombre, la route vagabonde n'est pas une option. Je pourrais écraser le crâne de ce garçon avec une seule main. Si Ludin ne veut pas changer d'avis, nous devrions faire avec. Ignore Ludin. Allons-y, je ne supporte plus de regarder ce foutoir. Que dois-je dire au guerrier Akon ? Plus de peur, dis-leur de recouvrir au flanc de la montagne, cadavre de... Ça me paraît pas mal. Dis-leur de recouvrir les flancs de la montagne des cadavres des Dreyr. Bien. Dis-moi ce que je dois dire et je ferai en sorte que ça se propage. À mort les Dreyr. On peut pas aller... Si, héros. Ce qui me semble qu'on avait des up aussi avant de basculer. Oh, Eric. Mais attends, mais du coup, c'est lequel qui est mort? J'ai un problème, hein. Vignir, là, je vois... Putain, je sais pas lequel c'est. On a perdu un mec. Je ne sais absolument pas qui c'est. Voilà. On va monter un peu ça. Eric. On va monter la life en prime ça. Tu étais proche de lui, pas vrai? Vognir? Non, eh ben, je sais pas, je me rappelle de lui. Il avait toujours des milliers de choses à faire, mais je ne l'ai jamais vraiment rencontré. Je n'ai jamais eu la chance de vraiment parler avec lui. Plus longtemps que moi, dans tous les cas. Je suppose, lorsqu'il parlait, Lévar l'écoutait, je le savais. J'apprécierais de l'aide, là. Le scribe recule et réfléchissant. J'ai vu pire, ils te respectent parce que tu sais manier une hache. Ils doivent te respecter pour ce que tu as accompli. Tu ne discutes pas avec les bons varles. Morgue a du talent. J'arrive à peine à tenir une flèche. Qu'est-ce que tu écris dans ce carnet? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que j'écris? Je raconte ce qui se passe. Ils ont une bannière à Arberang pour ça, tu sais. Tu veux dire la grande bannière? Oui, les maniens ont ajouté quelque chose qui tisse l'histoire tout seul. Tu veux mon avis? J'ai pas confiance. Non? Ça raconte une histoire générale. Je pense qu'il est important d'être plus précis. L'histoire de... L'histoire de qui est-ce qu'elle raconte? La mienne? La leur? Celle de Ludin? Bon Dieu. Oh, vieille relique. Et les dieux sont morts depuis longtemps. Oh, vraiment? Chassez le naturel, je suppose. Allô, Maris. Elle va te reposer, nous avons encore Londrook. J'ai parcouru plus de collines qui est un centaure énervé. Ne t'inquiète pas pour moi. Je voulais te demander, comment tu allais depuis la mort de Vognir, mais je suppose que j'ai ma réponse. Vraiment? Fidèle à toi-même, vieux mogre. C'est bien. Je connais la plupart de ces varles, mais je n'ai aucun pouvoir sur eux. Ils sont venus avec Vognir. Tu veux la vérité? Je ne voudrais pas être à ta place non plus. Bon. Dis-moi si tu as besoin d'autre chose. J'entends de l'eau au bout pour y mettre du riz. Ah, t'attends que l'eau au bout pour y mettre du riz. On se casse du coup. Je suis allée sur la map. C'est pas ce que je voulais faire. Elle est stylée la carte. Mais c'est pas ce que je voulais faire. On se casse. On peut pas se reposer ici. On a peut-être pas besoin en fait. Ça y est, ils sont arrivés tes grands-parents. Regarde ça.
vous dit Morgue, sur la colline d'Edredge. Pas plus d'une douzaine, ceci dit, nous pouvons très bien aller les massacrer rapidement. Ludin vous entend. Une douzaine de Dredge, Marver Strand, dit-il. Vous lui demandez depuis quand il se soucie des Strand. Ce n'est pas le cas, répond-il. Mais je pensais que toi tu t'en souciais. Hello Steffi. Ce serait une perte de temps, Strand peut s'en sortir. Donc on voit des guerriers s'en occuper. Allez, on va s'en occuper nous-mêmes. La caravane s'arrête un instant. Pendant que vous emmenez quelques hommes sur la colline pour vous occuper des Dredge, vous dites à Ludin de rester avec la caravane. Il croise les bras et marbonne quelque chose sur le fait d'être traité comme un enfant. Ça, on va pouvoir se battre. Attendez, pas beaucoup par contre. Hein. Je vais m'en mettre plein la panse. Putain. Baba Schnaff. Alors. Toi, tu vas venir là. Voilà. Il fait quoi lui déjà? Pour le régime? Ah ouais, c'est ça. T'as raison. Besoin. Bim. Je l'ai foutu là, c'était peut-être pas une hyper good idea. Je peux pas. Ah putain. Je suis à 1. On va basculer. Don't kill the grenouille. Oh merde! Ah, je touche mes potes aussi. Ah, c'est couillon ça. Ah, pardon. Ouais, on va tâcher la grenouille par contre. Bas de plan, bas de plan. Je répète, bas de plan. The Lovecraft. Ah, il va kill la grenouille. Ma grenouille. Ah. Putain. Oh, il a esquive. Je peux pas le bouger. Ah. Je ne peux pas le bouger. Ah, quel... pardon. Pardon, ma grenouille. Il est juste évanoui. Ça va bien se passer. Oh, mais... les conneries de minutes, là. Non, attends. Bouge, je viens te mettre là. De quoi est-ce plus que je dois faire comme visa, faire de plein de trucs, quoi? Sur des infos sur le Mexique, tu veux faire un visa de quoi? Très bien. Bah attends, le pauvre, je lui ai fait bobo. C'est pas sympa.
Tu vas aller vivre au Mexique, sérieux? Sympa. Ça le fait taper à 1, celui-là. Tu signes et puis voilà. Non, après, les ouais. Conditions pour aller là-bas, je sais pas du tout ce que ça demande. Probablement un... Ouais, je sais pas, je serais tenté de dire comme tous les pays, genre un visa long séjour. Il peut pas l'étoile là. Chier, j'ai plus de. Bon bah c'est lui qui va le finir. Allez. Paf. Tu peux aller sur Elisa, mais tu peux rester que 6 mois. Non. Gunuf est blessé. La grenouille est blessée. Hop là, déjà. Voilà. Je sais, tu vas me soigner ça. Résident permanent, c'est la croix. Ah, tu fais une croix dessus. Oh, il doit y avoir, moyen. Après, le truc, c'est que ce serait plus facile si t'avais du taf là-bas, quoi. Hakon, vous pouvez entendre le pas dur de Ludin approcher alors que vous installez le campement et vous préparez à ce qui va suivre. Peut-on discuter d'égal à égal? Nous pouvons essayer. Il est évident que tu as l'intention de tuer énormément de Drake sur le chemin. Ai-je tort? Tu n'as pas tort. J'ai besoin d'XP. Alors écoute bien. Il ne faut pas du principe que seuls les Varnes savent se battre, d'accord? C'est ma bannière que nous allons accrocher à Groflame. La bannière est d'Arberang. Je veux me joindre à la bataille. Vous avez été quasiment égorgé, mais... Vous en voulez encore? Comme vous voulez, prince. Je ne m'attendais à plus de résistance. De Vognir, peut-être. On m'a dit que tu étais son... Kandr. C'est pourquoi tu commandes maintenant. Une sorte de tradition familiale, Vard. Tu ne vas pas... t'occuper de ces missions? Ça ne veut pas dire que je ne vous signe. Ça ne veut pas dire que je me soucie de ce qui t'arrive. Nous serons tous les deux rois un jour. C'est bien la dernière chose à laquelle je dois penser maintenant. Ludin vous regarde comme si vous veniez de vous mettre une claque. Il retourne à sa tente afin d'avoir dit ce qu'il pense. Très bien. Efforts. Certains de vos personnages ont fait beaucoup d'efforts. Ne négligez pas cette statistique importante. Les efforts pour me permettre d'ajouter de la volonté à vos actions. Vous voulez ajouter plus d'une étoile à votre attaque? Ajouter 3 points d'effort vous permet de faire 3 dégâts de plus à chaque attaque. Ah, ou de bouger de 3 cases de plus. Ah! N'oubliez pas que chaque statistique est aussi importante durant la course. D'accord. Merde. Et du coup... salut toi. Oh bah salut toi. Ah, chez tes champs. Ça c'est une archer. Ouais, l'archer c'est cool. C'est ça du coup qui me disait info. Non, effort. D'accord, c'est ça qu'il faut que je qu'ils disent. Elle ouais. Oh, Ludin, Ludin il pue la défaite. Hein. Casse-toi Ludin. Oh ouais non, Ludin il pue la mort. Un peu de temps.
Alors que vous vous approchez de Bercy, il baisse le livre qu'il était en train de lire. Vous ne l'auriez pas catégorisé comme un grand lecteur. Tu es Bercy ? Tu es Hakon ? Nous nous sommes un peu éloignés, non ? J'ai des questions. Dis ce que t'as à dire. Que fait un Varl à travailler pour Ludin ? Comment se fait-il qu'un Varl travaille pour un autre Varl ? Qu'est-ce que ça peut te faire ? On dirait que tu commandes maintenant. Alors rends-moi un service et fais en sorte que Ludin ne se fasse pas tuer. Il est important pour toi ? Non, mais c'est une manière de dire. Oh, je vais pas te retenir plus longtemps, on s'en fout. Je te retrouvais sur le champ de bataille, ô chef des Varles. Tu pourrais te joindre à nous. Je suis là où j'ai envie d'être, n'oublie pas ce que j'ai dit. Protège Ludin, compris ? Alors que vous vous éloignez, vous vous demandez s'il ne s'agissait pas d'une menace. Ah, du coup, c'est les deux Jean Bobby. Irsa, c'est ça ? Elle vous regarde approcher la tête en arrière et montre du doigt la tente de Ludin. Non pour toi. Oh ? Est-ce qu'on peut discuter ? Irsa fait non de la tête, un sourire aux lèvres, les yeux mi-clos. Pourquoi pas ? Non. D'accord. Dans ces deux mots contradictoires, vous notez deux choses. Elle a une voix magnifique, très grave, et c'est peut-être une perte de temps. Elle vous regarde, attendant la suite. Tu ne parles pas ? Non. Et pourtant, c'est le cas. Et non. Ok. Eh ben, c'était marrant. Très bien. Elle croise les bras, la main sur le menton, et penche la tête jusqu'à la prochaine fois. Vous arrêtez et regardez par-dessus votre épaule. Je suis une sorcière, alors fais attention. Elle place un doigt sur ses lèvres et murmure « Chut !» Et vous partez sans trop savoir comment interpréter tout ceci. Ok, la nana est complètement... Tout va bien. On se casse. Mexico City. Vous surprenez une conversation alors que vous vous approchez de vos guerriers. Je suis ravie de massacrer des Dredge, mais je ne me suis pas engagée pour recevoir des ordres de Hakon, dit l'un d'eux. Apparemment, il n'a pas réalisé que vous pourriez l'entendre. Je ne suis pas prêt à mourir pour lui. Faites comprendre ce que vous avez entendu, mais continuez votre route. On va faire ça. Je ne suis pas sûre que Vodnir aurait aimé entendre ceci, dites-vous à voix haute. Le Varl titube alors que vous passez devant lui sans le regarder. Vous entendez ses habits se moquer de lui au loin. On fait genre, je t'ai entendu, mais ça ne m'intéresse pas. La bave du crapaud n'atteint pas la bloche au Colomba. Un groupe de tentes apparaît au loin, on dirait des marchands. Vous leur demandez ce qu'ils font là. Nous nous étions arrêtés près de la pierre du dieu un peu plus loin, vous dit l'un d'entre eux. Nous étions en train de déposer des offrandes à Dangre. Oh putain, mais c'est non, c'est horrible. Son expression change. Les dredge ont commencé à sortir de nulle part. Certains d'entre nous sont restés. Ils pensent que la pierre peut les protéger. Je ne sais pas pourquoi. Nous en avons évité depuis que nous sommes partis. Assurez-leur que le chemin vers Stand est dégagé. Dites-leur au revoir. Ça. Ils vous remercient avec profusion. L'un d'entre eux s'arrête près de vous. Si vous passez près de Dangre, vous pourriez me rendre un service. Le frère de ma femme est resté là-bas. Vous le reconnaîtrez grâce à un collier à plusieurs animaux qu'il porte. Si vous le voyez, dites-lui que nous sommes en sécurité à Strand. Vous acquiescez. Après un court instant, ils repartent. Fais gaffe, hein, Stéphie, t'es pas encore arrivée là-bas que Maryse, elle est déjà en train de calculer son plan vacances. Hein, donc la caravane ralentit d'un coup. La nouvelle se transmet parmi les rangs et arrive à Maugre qui vous la donne. Les Dredge savent que nous arrivons. Ils ont dû nous voir à Wertfell et nous guetter comme à leur habitude. Ça aurait pu être grave si nous étions tombés sur eux, mais heureusement, nous savions qu'ils étaient là. Les Dredge, je vous regarde, attendant de voir ce que vous allez faire. Quand est-ce que tu as commandé une troupe de quelques centaines de guerriers pour la dernière fois, Hakon ? Vous demande Morgre. Ne réfléchis pas trop, les guerriers peuvent prendre soin d'eux. Guerre, lorsque vous rencontrez des ennemis de votre équipe... Waouh, lorsque vous rencontrez plus d'ennemis que votre équipe ne peut assumer, vous entrez en guerre. Donnez les bons ordres à votre armée, mais soyez prêts à vous battre aussi. Si vous faites en sorte que la bataille soit plus facile pour vous, vous aurez plus de blessés. Ou vous assumez ce fardeau et combattez plus vaillamment et sauvez plus de vies. Si vous êtes en infériorité numérique, il est peut-être plus sage de fuir que d'éviter le combat. Les Dredge sont alignés sur le champ de bataille, armes à la main. Le combat semble inévitable. Vous comptez rapidement. Vous avez 185 guerriers et 466 Varl avec vous.
C'est des teugs, les varles. Même d'où vous êtes, vous pouvez voir le regard nerveux qu'échangent vos ennemis. Apparemment, vous avez de bonnes chances d'être victorieux. En avant! Vous envisagez de prendre vos fidèles alliés et de mener une percée brutale au milieu de vos ennemis. Vous serez propulsé au cœur de la bataille, où les combats sont les plus dangereux, mais aux puissants assauts peut sauver des vies. Lancez-vous dans la bataille. Vous rassemblez vos alliés et leur dites de se préparer à mener l'attaque. Here we go. Alors, par contre, toi, tu vas aller là. Toi, tu vas aller là. Voilà. L'archer au milieu, quoi. Très clair. Oh, one shot. Si elle me ramène une poule, si elles sont pas déjà toutes quick. Quick. Quoi? J'ai rien dit, moi. Gertrude. Ah putain, il y a le gros qui est là. Tes poules vont bien. Oui, c'est vrai. Your little cocotte. Is okay. Ah, je vais monter ça. C'est pas mal aussi. Il va venir sur la grenouille. Ah, c'est de lui qu'il faut que je me méfie, là. Lui, il est complètement fermé, par contre. Ça craint un peu. Ça craint un peu du genre un peu beaucoup. Il attaque à queue de chine. Ok, bon appétit les filles. Ah d'accord, ok. Bon, c'est ça touche en AOE. Je pouvais pas savoir, c'est pas de ma faute. Oh là là. Très très bien. Pou 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 pou. Oh non! Oh, j'ai cru qu'il allait aller vers la Jacqueline direct, quoi. Ma petite grenouille. Je vais la mettre là, ma grenouille. Ah putain, ça met une AOE et tout. Ça, c'est cool. Ok, donc ça, c'était une bonne attaque, mais pas au bon endroit. Paf. Bah, il faut que je vire totalement ma Jacqueline d'ici, par contre. Ah, mais c'est parce qu'il est niveau 1, là, mon Jean-Bobby. Non. God save. Je vais la mettre là. Ah, oh, je peux pas. Non. Oh, fait chier. Ah, si je mets ça là. Ça passe normalement. I'm a genius. Wouhou. La stratégie vengeance. La... 8, ok. Attends, lui il fait très bobo beaucoup. Hein. C'est vraiment vraiment cool. Lui niveau 1, c'est pour ça qu'il fait pas de dégâts. Allez, la grenouille. Allez, la grenouille elle va se battre. Contre lui Ah ouh Zeman Régendi. Pour être sûr. Voilà.
Donc ça, paf. Oupoupoupou. Toi, tu t'en vas. Tu suis, tu te casses. Non, il me poursuit! Oh, ça va. Oh, m'arrêtez, s'il vous plaît. Putain d'escroc, va. 20%, ça fait pas beaucoup, hein. Ouais. Ah, oh. Oh, non. Oh. Ça va, il tape pas. Dégage. Merde. Il est tombé dans les pommes. Oh, il m'esquivait. Gros con. Oh merde! Oh, je l'ai ramené là. Oh, je peux pas annuler. Ouais. Oh, j'étais le ramener là. Quelle andouille. Ah, ça passe à 8. Tout va bien. Vous prenez un moment pour examiner le champ de bataille. L'ennemi est en train d'être repoussé vers les lignes arrière. Vous saisissez l'opportunité de fuir et quitter le champ de bataille immédiatement. D'un autre côté, repousser plus les dredge permettrait de rassembler vos guerriers et de sauver des vies. Vous n'aurez pas le temps de modifier votre équipe ou de laisser se reposer avec une chance de piller vos ennemis. Pourrez-vous permettre de découvrir des objets qu'ils ont volés? Quoi? Vous saisissez l'opportunité de fuir et quitter le champ de bataille immédiatement. D'un autre côté, repousser plus de dredge permettrait de rassembler vos guerriers et de sauver des vies. Non, reculez avant qu'ils se rassemblent. Vous contournez à bonne distance puis ils se dépêchent de se lâcher. Ouais, parce que là, ils ont pas assez de life is life. On n'a pas eu de mort. Ça va. Bon, on a un Jean Bobby qui est tombé dans les vapes, mais ça va. Tu. Attendez une seconde. On va les remettre sur pied. Hero. Alors, améliorer. Continuer. Oui. Qu'on a dit, c'est ça qu'il faut up. Donc, up ça et ça. Pareil pour le Murf. Ah, il en a pas du tout. Ah putain, mais c'est pour ça qu'il... grenouille là, d'accord. Il en avait pas du tout. Eric. Quoi? J'ai passé de renommée. Ah merde. Hello partner. Ça va et toi? Oh putain, c'est cher, j'ai passé de renommée. Comment se fait-ce? Ah. J'ai entendu parler de ce jeu, mais j'ai jamais vu. Alors il est bien. Ouais, pour l'instant j'aime bien. Le seul truc qui est un peu compliqué, c'est que bah c'est des noms de villes et de personnages nordiques que j'ai un mal fou à les prononcer et que du coup c'est très compliqué. J'ai du mal à comprendre qui est qui parce que je... Mon neurone il colmate pas. Ludin envoyait des éclaireurs plus rapides et plus agiles que vos vares. L'un d'entre eux arrive en courant alors que vous passez au sommet de la colline essoufflé. Dédrindre. Et dans cette direction, l'entendez-vous dire à Ludin, environ une journée d'ici. Ils ont trouvé un village. Vous demandez ce qu'ils font. Ils détruisent le village, vous dit-il. Mille, peut-être plus, à la recherche de je ne sais quoi. La bataille sera plus difficile que d'ordinaire. Ludin est étrangement silencieux et attend de voir ce que vous allez dire. Attirez-les, divisez-les, bah ouais. Vous envoyez un petit groupe de protecteurs attirer leur attention. Ils réussissent. Une demi-journée plus tard, beaucoup de dredge sont prêts à vous poursuivre sur les collines. De leur passe caractéristique, vous préparez les tombés. Oh putain, encore une baston. J'essaye de me détendre avant les examens. Courage. Ils ont ajouté des nouveaux trucs là sur Twitch Sing. Je passais la dernière fois, il y a peut-être une semaine, il n'y avait rien de neuf. J'aimerais bien qu'ils ajoutent un peu du son.
Les Dredge sont alignés sur le champ de bataille. Armes à la main, le combat semble inévitable, vous comptez rapidement. Ils doivent être au moins 513. On est toujours plus. On se battait. Même où vous êtes, vous pouvez voir les regards nerveux qui se lèvent. En avant! Vous envisagez de prendre le fitel. Lancez-vous dans la bataille! Vous rassemblez vos alliés. Oui! Gambattez! On va partir avec les mêmes, hein. Ah ouais, non, mais c'est ça, c'est... c'est compliqué. Putain, il y a trois gros, par contre. Il y a totalement trois big. Poupouloupoulou. Alors, on va les mettre là. Lui, on va le mettre là. Lui, on va le mettre là. Et la Jacquelinette, on va la mettre là. Ouais, ouais, c'est totalement un tactique. Alors, je pense que c'est parce qu'on n'est pas trop avancé encore dans le jeu, mais vraisemblablement, il y aurait un délire où, en fonction des décisions que tu prends, enfin, déjà, ça influe... Ça influe complètement sur le jeu, mais... Ah, ça tape à côté, c'est bon, ça. Mais tu peux perdre des gens. C'est Dofus chez les Vikings. Pourquoi Dofus est un tactical? Tu m'effraies un peu, oui. Vas-y, repose-toi, Jean-Bobby. Il va où, lui? Qu'est-ce qu'il fait? Ouah, qu'est-ce qu'il fait? Il a activé son mode vidromasseur? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bien déjà, hein, Et 40, c'est pas énorme. Ouais, ouais. Lol. Je sais pas. Je ne sais pas ce qui vient de se passer. C'était bizarre. Et bim. On va kill lui. Waouh, ma renouille! Don't kill my renouille! Il y en a, ils font tellement pas de dégâts. Je ne comprends pas pourquoi. Ouais, alors la grenouille, elle va totalement venir là. Est-ce que lui c'est peut-être le big boss du coup? Attends, tu peux aller où? Est-ce que tu peux aller là? Ouais, on va aller là quand même. Ah, quoique j'aurais peut-être dû rester de l'autre côté. 60, ça passe. Je suis l'agent du plaisir, soumettez-vous à ma dominance. Jouissance des souffrances éternelles. Non mais je sais pas ce qui vient de se taper comme phase. Hein. C'était bizarre. Hein. 40%. Vas-y, on va lui niquer un peu d'armure. Pas la grenouille, pas la... Oh. Mais il fait extrêmement mal lui. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Du 1. Tiens, c'est ce qu'on va faire. On va faire ça ici. S'il avance, c'est pour prendre celui-là. Ok, il pique l'armure. Oh là là, lui il va tomber alors que c'est celui qui fait le plus de damage. Ça se voit pas forcément là en même temps, mais... Ouais.
C'est Gainsbourg qui disait ça? Ça m'étonne pas. Oh le gars, il passe même pas là. Pas la grenouille. Ouais, elle se barre à ma grenouille. 20%, sérieux? C'est pas bon. Oh là là. Allez. Okay. Oh putain, c'est 90. Ok. Putain, mais à coup de 2, qu'est-ce que. Non, mon archet. Mein archet. Gros con. Ouais, il va passer là. Oh là là, mais qu'est-ce qui fait mal lui, c'est un truc de fou. Ah, ma grenouille là, elle va pas aller bien. Hein. Je vais le mettre là. Mais... Je crois que je vais mourir. Voilà. 30%, sérieux. 20. C'est, je le passerai pas à ce niveau. Oh oui, non, non, mais là c'est impossible. C'est impossible. Qu'est-ce que tu veux que... Oh là 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 là, quel enfer, mais quel enfer. Il fait beaucoup trop bobo. Je vais avoir perdre la guerre. Bah ouais, éviter forcément. C'est Torniol qui met lui, c'est une scène. Putain mais pourquoi il tape qu'un? C'est nul. Oh là 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 là, allez, il va nous finir, non. Ah non, j'aurais pas dû me battre. Ça, c'est sûr. Allez, dégage, gros con. Je sais même pas si je vais pouvoir jouer l'amélioration, du coup. La 8. On va essayer d'aller là, mais... 50%. Waouh. Mais vraiment, 7 de dégâts. Mais quoi? Pourquoi les miens, ils font pas de dégâts? 40, mais... C'est tellement fini. Ouah. C'est le premier combat que je perds. C'est eux qui me pillent. Comment on s'en va? On peut fuir? Laissez-moi. Je crois que j'ai tout niqué mes trucs là. J'aurais peut-être pu l'utiliser plus tôt. Ah, ich bin kaputt. 12! Mais 12! Oh. Oh. Ça s'est pas très bien passé. Vous avez peut-être réussi à échapper à la vicieuse attaque des Dredge, mais ça ne vous donne pas confiance nécessaire pour nettoyer la petite ville en contrebas. Vous espérez qu'après vous êtes débarrassé d'une bonne partie des Dredge, la chance jouera en votre faveur. Ah, et là, il y a un trésor. Putain, c'est notre première défaite. Ah, on va les soigner parce que là... Hero. Est-ce qu'on a quand même gagné des améliorations? D'accord. On a quand même gagné une amélioration, quoi, mais... 15 de renommée. Je ne peux pas. Et lui, du coup, je peux l'améliorer, vu que c'est 10 de renommée. Oh. Ah, c'est un peu... C'est un peu l'enfer du cul, là. J'essaie de faire des combats pour gagner en renommée. Mais... Alors, on a perdu du peuple. On a totalement perdu du peuple.
Vous êtes désormais célèbre dans tout le pays pour vos défaites ridicules. Oh, mais s'il vous plaît, c'était pas si ridicule que ça, qu'est-ce que j'ai pu. Le village étant encore à une journée de marche, vous mangez sur la route. Un Varl s'approche. On s'est disputé un peu plus tôt, dit Gris. Vous vous rappelez qu'il a déclaré ne pas aimer suivre vos ordres. Vous aviez raison de faire ce que vous avez fait. Laissez-moi rejoindre vos guerriers et me battre à vos côtés. Il se tient debout avec fierté et ses cieux. Semblant sincère. Ah, donc en gros, soit je l'envoie chier, soit je l'envoie chier, soit je l'envoie chier. Tu n'as qu'une seule chance. Vous lui dites d'obéir à Maugre. Je ne me bats pas à l'arrière. Fais une erreur et tu perdras ta tête. Personne n'en perdra le sommeil. Il acquiesce et va discuter avec Maugre. Je l'envoie chier dans toutes les... C'est con, ça aurait pu être bien, Gary de plus. Non mais c'est sympa, mais bon, c'est un peu... Vous êtes suffisamment prêt pour entendre les Dredge se déplacer parmi les bâtiments en contrebas. Attire les hors de la maison, suggère Morgre. Les frondeurs ne peuvent résister à une embuscade. Nous aurons plus de chances de, sur un terrain ouvert, attaquer les... Y'a pas ça... Allez. Vous envoyez vos protecteurs attirer leur attention. Les Dredge se rassemblent rapidement, prêts à se battre. Bon, on est encore en supériorité. En avant. Lancez-vous dans la bataille. Allez, il y a bien un moment, ça va bien se passer. Ou pas. Ah, on a lui aussi. Ouais, on va le mettre à la place d'Eric. Il y a quand même plus de... Eux, ils sont vachement bien parce qu'ils sont... Ils ont plus de PV, plus de consistance. Normalement, ils tapent un peu plus fort. Bah, en fait, c'est ça le truc. C'est que je croyais que les mecs mouraient, genre mouraient. Oh, ça va, il n'y a qu'un gros, ça devrait mieux se passer. Alors par contre, toi, tu vas totalement aller te mettre ici, ou ici. Lui, on peut le mettre là. Oui, après, ça va. Non, non, mais c'est une tribu qui est plutôt badass, eux, là. Putain, par contre, ils tapent à 1, ça, c'est pas possible de taper à 1, mon gars. Impact fragmenté. C'est lui qui va nous faire grand bobo. On va le mettre là. Il devrait bien s'en sortir. Faut un point stratégique. Et contre ton partner, moi je dis, faut le défoncer. Avi, pète-leur la goule. Allez. For you, partner. On va pas l'emmener trop loin. D'un côté, j'irais bien lui péter la gueule à lui. Ouais, vas-y, on va totalement aller focus celui-là. Bélier, ça fait quoi, tiens? Fait reculer la cible de plusieurs cases. Ouais... 40%. On va peut-être faire le bélier du coup. Bah quoi? Je peux pas le bélier-té? Ah, je peux pas le bélier-té. Bon, bah on va lui virer de l'armure alors. Oh, le mec! Ah, d'accord. Ok. Oui, oui, péter des culs, c'est forcément une bonne stratégie. Ça fonctionne plutôt pas mal, généralement. J'aimerais bien que la Jacqueline joue, par contre. Ok, donc lui, il va totalement s'en taper 3. Donc lui, on va le ramener. Attends, déjà, on va essayer de faire un truc cool. Merde. Vas-y, je m'en fous. Je les touche tous. Je vais toucher le mien aussi. Mais je les touche tous, tous, tous. Donc ça me fait plaisir. Toi. Ah ouais, non, non. Toi, est-ce que tu peux... Tu peux pas venir te mettre là? Bon, bah, tant pis. À mort. Oh, il est à 9! Mais quelle connasse! Il va où, cette andouille?
Ah, il a pas aimé se faire cramer les poils du cul. Bah non, lui on va le laisser là. Niveau 2. Ah non, c'est quoi ça, les petits trucs au-dessus de leur tête? Je sais pas. Non, pas Jacqueline. Ils vont venir péter la gueule à Jacqueline, et ça c'est pénible. Pipalipilou. Non. Voilà, toi tu finis ton jambobie. Hop, très bien. Ah, don't die, Jacqueline, please. Don't die. Est-ce qu'elle... Ah, 40%. Ah putain, et je l'ai remis à 2. Ah ouais. Fait chier. Ils veulent tous aller niquer Jacqueline là quand même. C'est chiant. Je vais aller me mettre là. Parce que j'ai vraiment pas envie du tout que ce soit pour sa pomme. Ouais, de toute façon, s'il a décidé de contourner. Mais qu'est-ce qu'ils font? Je ne comprends pas ce qu'ils font. Là, bisous. Il a passé son tour. Mais oui, ils veulent tous attenter à la vie de Jacqueline. Ça se passe bien là avec avec les greux. Allez, brûle, manant. Elle est pas mal en vrai, Jacqueline. Elle est pas mal, ce qui me fait à 3. Allez! Youhou! Vous prenez un moment pour examiner le champ de bataille. L'ennemi est en train d'être repoussé vers les lignes arrière. Vous saisissez l'opportunité de quitter. Je me casse. Oh, on va pas non plus... Allez! Très bien. Tout le monde va bien. Tout le monde va bien. On se point de renommée. C'est bambam. C'est bambam. Ah. Les cadavres recouvrent la zone. Comme si la neige était devenue noire et rouge, vous marchez parmi les petits groupes de survivants et comptez vos hommes. Vous finissez par croiser Mogre. Difficile, hein, dit-il. J'espère que nous n'aurons pas affronté pire par la suite, mais je suppose que ça laisse entrevoir ce qui nous attend. Vous acquiescez. Et les blessés sont rassemblés et vous vous dirigez vers les ruines du village. Oui, c'est ça. Tout se passe bien, sauf... mais la guerre d'avant, on l'a oublié. On a gagné celle-là, donc ça compte plus. Non. Et d'où? D'où il up, lui? D'où tu up? T'étais même pas là. Tchè. Allez, 15. Paf. 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 Bon, c'est gris. Merci. Et ça, faut qu'il kill. Faut que ça kill. Enfin, j'ai plus de renommée là. C'est chiant. Vous parcourez le petit village, là où la bataille faisait rage quelques heures auparavant. Un lourd silence entoure maintenant les lieux. Des corps de dredge et des villageois dessinent un chemin macabre vers des maisons encore ravagées par la tornade. Irsa s'arrête. Vous entendez ça, murmure-t-elle. On dirait des pleurs. Vous découvrez une trappe à demi cachée par un tapis. Ouvrez la trappe. Le cri d'une femme reste étranglé dans sa gorge lorsqu'elle voit un varl et non un dredge. Les hommes et des femmes sont blottis les uns contre les autres. Un nourrisson pleure contre l'épaule de sa mère. Ils sont clairement stupéfaits de voir autant de guerriers. Que faisons-nous maintenant, demande-t-il. Ils vous jettent des regards effrayés mais finissent par rassembler leurs affaires. Tu penses qu'ils vont s'en sortir, demande Morgue, le doute dans la voix.
Vous ne savez pas, mais il vaut sans doute mieux essayer que mourir de faim ici. Oh, comment ça nous gratte des vivres en plus, quoi. Elric regarde. Je me sens presque coupable, dit-il. Je connais Strand, même s'ils s'en sortent en un seul morceau, les habitants vont les massacrer. Pas littéralement, bien sûr, mais enfin, peut-être littéralement. Je me joindrai peut-être à eux. Faible excuse pour ton échelle. Pars si tu veux. Je le ferai alors, dit-il. Il rassemble son équipement et rejoint rapidement les réfugiés. Tu veux pas emmener le gars avec toi là? Ah, mais j'ai encore 390. Ok. On peut peut-être par contre acheter. Peu plus de force. On va le donner à la grenouille. La force de la grenouille. Tes esclaves. On en est où? Tu lâches un de tes gars pour des cutéreux? Non, mais je l'utilise pas, lui. C'est pas un grand baraque, c'est un tout petit frêle. Ah, c'est là qu'on va? Ah non, pas du tout. Putain, hey, faut que j'arrête avec cette croix de merde. C'est la croix pour fermer la mat à chaque fois, je suis là. Mais c'est là qu'on va? Pas du tout. Mais ils ont qu'à le bouffer, Jean-Jacques, il a que la peau sur les os, tu parles. Je préfère rester avec mes petits baraquets. Mais j'avais totalement pas 300 marchandises. Enfin, 300 vivres, qu'est-ce que j'ai fait? Vous entendez un cri résonner dans la nuit. Elle l'accueille des varles. Une caravane de varles arrive dans votre direction, certainement quelques centaines au total. Vous les rejoignez à mi-chemin. Oh, c'est bien s'ils nous rejoignent pour de vrai. Plein de varles, plein de gars musclés. Tu dois être Vognir. Été, Vognir est mort. T'es sérieux? La situation devient menaçante, mais je ne m'attendais pas à ça. Tu te passes sous les couleurs de Shrid. Que se passe-t-il? Ufar n'est pas censé commander ici. Je suis Fazolt. Ufar est resté à Shield. En cas d'urgence, il m'a envoyé à la rencontre de Vognir, enfin à ta rencontre. Pour l'instant, il ne s'est rien passé à Shield. Qu'est-ce que tu veux dire? Aucun Dredge. Ils ne sont jamais passés à Shield. Ils sortent tous à Rindhorn. Nous venons juste de l'apprendre. Un groupe est allé là-bas et nous sommes venus ici. Righorn, la forteresse sur la baie? Elle est abandonnée depuis des centaines d'années. Oui, peut-être que c'est la raison pour laquelle ils sont là-bas. On dirait vraiment une nouvelle invasion. Luedin se mêle à la conversation. Putain, mais quel emmerdeur celui-là. Attends une minute, qu'est-ce que tu as fait? Faites attention. Toi, fais attention. Pourquoi est-ce que tu as commencé? Tu crois que les hommes oublient le passé? La grande bannière est accrochée à Arberan. La deuxième grande guerre nous a presque détruits. Que veux-tu faire cette fois? Par tous les dieux, qui est-ce? Personne. C'est personne. Personne. Personne de nous devons nous préoccuper en tout cas. Luedin tourne la tête dans votre direction, les yeux grands ouverts. Il n'a pas l'air de savoir s'il doit se sentir insulté ou menacé. Quel ordre t'a donné Uftar? Je suis censé t'offrir l'aide dont tu as besoin. Yes. J'ai 330 varles qui me suivent. Et Uflar veut savoir ce qui se trame à Rignhorn. Quel est ton plan? Bah, vas-y, on y va. Hein. Je ferai en sorte que mes varles suivent. Ils sont sous ton commandement, Hakon. Tu es fou! Il vient de dire qu'une armée de Dredge grouille sur le front. Allons à Grove M, alors, prince. Être responsable de votre mort serait pire que de ne rien faire. Luedin se tait pendant un moment. Vous pouvez voir la rage qui l'habite. Il cherche désespérément à se protéger, mais ne s'attendait pas à fuir comme un lâche. Il s'attendait à ce que vous le suiviez. Il jette un œil à ses hommes. Nous sommes déjà arrivés jusqu'ici. Si les Varles sont responsables, je serai et mon père aussi. Tu as besoin de mon aide et de mes guerriers. Si je m'en vais, Ishra et Bercy me suivent. Le soudain volte-face de Luedin vous déstabilise. Morgue ne peut se retenir de rire. Ah, le prince est courageux. Je préfère que vous soyez en sécurité. Faites comme vous voulez. J'aimerais que tu arrêtes d'agir comme si tu étais responsable de moi. Quel genre d'alliance est-ce?
Ce sont les territoires Varl et nous faisons face à une armée de Dredge. Est-ce que tu as déjà eu affaire à ce genre de situation? Les hommes ne les ont jamais provoqués. Tu vas vivre une troisième guerre. Le génocide de Dredge est donc un jeu pour les gens de votre race? Ah putain, j'ai tellement envie de le défoncer, quoi. Avant que quiconque n'ait pu faire un geste, vous claquez une main à la taille d'un plateau sur le visage du prince. Ouh, je vais décoller une calotte, il s'effondre sur le sol et il ne bouge plus. Accompagne-le à Grofheim, j'enverrai quelques guerriers avec lui. Attends, c'est le prince des hommes? On ne peut pas juste le laisser en compagnie de quelques vares et espérer qu'il s'en sorte. Pourquoi avoir tous ces gardes du corps alors? Écoute, je ne t'ai pas envoyé ici pour surveiller un humain. Ces guerriers sont pour venir, enfin pour Akon. Sa petite claque dans la nuque qui lui a fait le coup du lapin quand même. Hein. Si je retrouve à Schlid, Uvdar va me décapiter. N'essaie pas de me convaincre du contraire. D'accord, Irsa et Bercy devraient s'en sortir. Prions pour que rien ne leur arrive. Mince, Akon, ça ne va pas être facile à expliquer. Du coup, on a totalement largué le prince en fait. Je suis désolée, c'est une très mauvaise décision qu'on vient de prendre, hein, mais il est extrêmement pénible, mais vraiment pénible de ouf. Ah ouais, du coup, on a perdu. Oh, on a perdu l'archet qui fait du feu. Ça, c'est chiant par contre. On a récupéré un grand bonhomme. On a perdu l'archet qui fait du feu. J'aimais bien l'archet qui fait du feu. Tristesse. Ça va être la statue dont on nous a parlé tout à l'heure. On devrait rencontrer un Jean Bobby. Et les marchands. La marche pour se rapprocher de la pierre de Dieu est dangereuse. Vous vous rappelez que la plupart des pierres divines ont été construites sur des collines surplombant les autres pierres divines pour que les voyageurs puissent les suivre et trouver leur chemin entre les villes. Ça ne range pas vos affaires. Oh putain! OMG, non mais ça va pas! Edredge hurle morgue à l'avant de la caravane. Soudain, des roches noires se fracassent près de votre tête. Mais qu'est-ce que c'est que ça, bordel? Hurlez-vous. Morgue secoue la tête. Une pierre s'éclate dans le bouclier d'un varl et explose dans un éclat de lumière en projetant des fragments tranchants comme des rasoirs. Mets-toi derrière les protecteurs, hurle morgue, alors que vous vous approchez pour vous battre. On est plus. On y va. En avant! Je me lance dans la bataille. C'est ça, crise cardiaque simulator, je sais pas ce qui s'est passé, ça va. Bon, on n'a plus que des gros balèzes. Est-ce qu'ils ont beaucoup de gros balèzes ou pas? Bon, on les connaît pas ceux-là. Hein. Moi, je serais plus d'avis de commencer par là pour le coup. Voilà. Allez, ça dégage direct. Paf, une étoile. Paf, c'est cadeau. Bisous, merci d'être revenu. Ah d'accord, c'est des frondeurs. Ok. Est-ce que j'ai deux étoiles? Oui, bisous. Allez hop, ça s'est fait aussi. Non mais c'est bien, ils mettent des nouveaux gars, ça fait moins de gros balèzes. On va aller chercher celui-ci, ça. Déjà ça. Ok. Bélier. Je peux faire ça moi aussi. Tiens, dégage! Ah, c'est le nouveau lui. Malveillance. Force un ennemi à attaquer le provocateur au tour suivant. D'accord. Bon, non, on va le faire attaquer tout court. Ah, le nouveau, il va pas. Là, il a un gros gourdin à pic lui. Je peux pas passer. C'est dommage.
je tente des trucs, hein. Ah merde, j'aurais pas dû le mettre là. Va me faire galérer. L'amélioration de la grenouille. Ah ouais. C'était pas une bonne idée. Tiens, lui, on va le mettre là. 50%. Ma renouille, you don't kill ce renouille. 40%. Pourquoi? Quelques trucs. Ok, oui. Merci d'être passé. La bonne soirée. Je vais le mettre là, comme ça il peut se battre sur tous les fronts. On est sur du 10-10. C'est par celui-ci. C'est vrai que j'utilise jamais le corps, ce qui est plutôt con. Parce que pour le coup, ça aurait tendance à nous sauver les miches un petit peu quand même. Je peux pas. Merde. C'est dommage. Oh mais... Oh si ça passe. Ok. Cool. J'ai cru que j'avais fait une connerie. Il est à 1. Bah, très bien. Si lui peut le finir. Hop là, parfait. Ouf. 90. C'est que ça passe, très bien. Ouais, Jean-Bobby, tu vas aller voir ailleurs si on y est par contre. Repose-toi. Bah très bien. On peut m'en faire un? Ah non. Ah, c'est lui qui va le finir du coup. Allez. Vous prenez un moment pour examiner le champ de bataille. On va rester sur le reculé. Allez. Comment ça on a perdu des gens encore? On va le tuer. 11 à 10. Putain, c'est chaud la renommée. Hein. Bon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Vous demandez-vous en regardant les étranges frondeurs dredge. Personne ne sait sans prévenir. Un dredge complètement abrutier, à moitié mort, sort du bosquet et se jette sur le yox attaché au coffre au trésor. Des varles surpris sortent leurs armes, mais pas avant que le coffre ne glisse de la roche et tombe stoppé dans son élan par un rondement profond. Oh. L'énorme coffre en métal est déséquilibré, en équilibre putain précaire au bord de la falaise. Un yox apeuré se balance au bout de ses rênes, toujours attaché. Au sommet, le dredge s'agrippe. Gunuf essaie d'empêcher le coffre de passer par-dessus bord, une main crispée à la charrette, l'autre autour d'un tronc d'arbre. On va l'aider. Vous attrapez le coffre et tirez lorsque vous avez à peine réussi à faire bouger lorsque l'arbre auquel il s'accroche se détache du sol et vous emmène avec une force terrible vers le sol. Allez, trop tard. Les autres se jettent vers le coffre au moment où il passe par-dessus bord. Au dernier moment, vous lâchez prise, mais c'était... Oh non ! Et non ! On a perdu Grenouille ! Hurle le vieux Varl, le coffre tombe, emmenant des rochers sur son passage et répandant son contenu dans la neige sur une pluie d'or et de sang. Le yox, le dredge se réduit en morceaux, inconscient, les membres tordus sous des angles non naturels. Le choc du décès. Non, on a perdu Gunulf! On a perdu la grenouille pour un putain de coffre, non mais sérieux!
Vous vous demandez pourquoi le Dredge a attaqué le Yoks en premier lieu, puis vous lui réalisez que le vrai problème, c'est la fortune qui s'étale maintenant en bas de la falaise. Ah là là. Et nu, avec seulement quelques options s'offrant à vous, vous décidez de descendre. Un homme dans la vallée vient à harner. Il vous hurle que Gnurf est mort et que l'accord ne tiendra pas. L'or est éparpillé sur les rochers hors d'atteinte. Vous le réalisez qu'il est peut-être une journée plus tard. Vous êtes à nouveau sur la route. Oh non ! Gnurf ! Oh non, mais Gnurf ! On est dans la merde. Ah, on a perdu Grenouille. Je suis deg. D'accord, donc c'est ce genre de situation qui font qu'on peut totalement perdre des persos connement. Très bien. J'ai le sum. Il faudrait qu'on récupère un peu de monde. Mertoum. La caravane s'arrête sous la pierre du dieu pour une courte pause. Les guerriers sont contents et la pierre vous donne l'impression qu'on vous protège. Et c'est agréable, mais ça n'a pas aidé. Et les corps en dessous, la terre aux pieds. La pierre du dieu est écrasée comme si une lutte avait eu lieu. Des marchands, aucun dredge, et des biens divers sont posés autour de des tonneaux d'hydromel, vieux d'on ne sait combien de temps, de l'argent, une statue en savon, des offrandes d'un dieu disparu. Parmi les tas de corps, un objet brillant tire votre attention. Vous sortez un collier en or d'une veste et remarquez 5 anneaux en or attachés dessus. Le frère du marchand appartenant... Apparemment, il n'est pas sorti, m'emmenez-vous. Vous jetez le collier à Morgue et lui dites de le garder. Si vous pouvez lui faire confiance à quelqu'un, c'est bien à lui. Je ne sais pas pourquoi, il pense que la pierre du dieu est un endroit sur... Marmoner. Nous sommes complètement à découvert ici, ajoute-t-il. Pour nous reposer, je pense qu'il faudrait mieux continuer un peu. Oh là là. Je suis deg. On peut pas recommencer. On a perdu Renouille. C'est totalement ça. Pousse, s'il vous plaît. Il a glissé, chef. Vous voyez au loin de la fumée s'élever par-dessus les arbres. Les dredges ne font généralement le pas de feu, dit Morgue. Mogre, mais ça attire leur attention. Nous avons utilisé des feux comme celui-ci pour les faire venir pendant la Grande Guerre. Oui, mais s'ils sont habitués, après un certain temps, abjecte un autre guerrier. Peu importe comment vous tournez le problème, enquêter prendra du temps. Vous regardez au loin alors que vous passez. Peu importe ce qui se passe, peut-être que nous arriverons à nous débarrasser de certains dreads. Dites-vous avant de recommencer à penser à la tâche qui vous attend. On se casse. Ah non, mais je suis foncièrement dégoûtée, partner. Là, ça me fait chier. Vos guerriers demandent une pause. Vous arrêtez la caravane avec un soupir, mais vous n'êtes pas mécontent car l'altitude et la fatigue se font sentir. Mogre est appuyé sur un arbre mort et grignote un bout de pain. Il fait de plus en plus froid, dit-il, les yeux fixés sur l'horizon. Vous pouvez voir Ringdenhold apparaître derrière, ça doit être ça. Derrière les montagnes, une volée de corbeaux vole dans les cieux clairs en direction du fort. Nous devrions suivre les corbeaux. Pourquoi ? Sans un mot, Mogre part en courant vers les oiseaux et tombe de la falaise. Ah putain, j'ai dit non mais les mecs ils vont commencer à se suicider, c'est ça? Il est soudain dans les airs, agitant les bras comme si ça pouvait lui servir. Il tombe vers une avant de s'enflammer et de s'effondrer sur la tour qui disparaît, elle. Quoi?
Attends, attends. Sans un mot, Mogre part en courant vers les oiseaux et tombe de la falaise. Il est soutenu dans les airs, agitant les bras comme si cela pouvait lui servir. Il tombe vers Ringhorn avant de s'enflammer et de s'effondrer sur la tour qui disparaît telle une bûche jetée dans un feu de joie. Non mais... Sérieusement? Le mec s'est suicidé? Vous avez l'impression de perdre l'esprit. Puis vous vous réveillez. Vous ne vous rappelez pas avoir installé le campement où vous êtes endormi devant le feu. Que se passe-t-il, même demandez-vous. Mogre surprend. Ah ok, il a encore envie. S'approche de vous dans le campement. Hakon, tu as vu comment c'est-il? Oui, vous décidez tous les deux de ne pas en parler. Très bien. Ouais, c'est extrêmement gênant. Il n'est pas mort, hein? Non, tout va bien. Oh, tout va bien. Je fous. Qu'est-ce qui se passe, quoi? La drogue, c'est mal. C'est mal, voyez. Tout va bien. C'était peut-être un bout de pain hallucinogène qu'il a bouffé, je ne sais pas. Je suis sûre que tu as remarqué, dit Mogre, mais nous sommes suivis. Les Dredge sont sur nos talons depuis que nous avons quitté la pierre des dieux. Ils sont nombreux et je suis sûre qu'ils nous attendent plus loin, mais nous ne sommes qu'à une demi-journée d'une forêt épaisse. Ils rêveraient peut-être à les semer là-bas. Ouais, on va les semer. Les Varnes n'aiment pas passer sous les feuillages, mais les Dredge détestent encore plus ça. La plupart s'arrêtent à la bordure de la forêt, et ceux qui suivent sont tués sans trop d'efforts. Ils commencent à s'amasser devant les arbres, et vous espérez que vous aurez le temps de les atteindre l'autre extrémité avant qu'ils ne vous suivent. J'espère aussi. Parce que là, on n'a plus grand-chose, hein. Ah, c'est ça, ils ont bouffé des champis. C'était très bizarre! Caché au plus profond de la forêt, vous avez le sentiment que les Dredge vous ont encerclé et qu'ils sont très nombreux. Leurs formes sombres créent des ombres étranges alors qu'ils se glissent entre les arbres dans toutes les directions. Vous appelez Mogre. Des idées, Mogre? Nous allons les attendre. Oui, tu peux prier les dieux. Il y en a plus qui nous attendent de l'autre côté de la forêt que ce que nous pensons jusqu'à maintenant. Nous allons être vraiment en infériorité numérique, surtout si nous attendons. Trouve un chemin. Ouais. Nous aurons peut-être le dessus si nous pouvons les isoler dans les arbres, dites-vous. Vous envoyez des protecteurs pour les attirer, les submerger sous les flèches jusqu'à ce que certains soient suffisamment frustrés pour vous suivre. Votre tactique fonctionne jusqu'à un certain point. Les Varles ont autant de mal à se déplacer dans l'épaisse forêt que les Dredge. Vous ne savez pas exactement comment se déroule le combat lorsque vous rejoignez la mêlée. Mais vous marchez sur des cadavres des deux races. Ah putain. Vous commencez à comparer la force et les points de vie, prenant compte du terrain, le moral de vos troupes et l'appartenance, l'apparence de vos adversaires. Si vous êtes prudent, vous devriez pouvoir assurer, équilibrer les uns. Vous rassemblez vos forces, vos alliés autour de vous, vous préparant à entrer dans la bataille. Ah ouais, mais on n'est que 4. Là, ça va commencer à être très bah ouais. Pas prêt. Il n'y a pas pas prêt. Au secours, je ne suis pas prête. Tout, 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 tout. Ah ouais, il y a 4 gros. Il y a 4 putains de gros. C'est totalement la merde, hein. Là, ça va pas bien se passer. Ceux-là, c'est pas des vrais boss, visiblement. Autrement, ça passe. Bah. Ah, il va se mettre en mode vibromasseur. Je sais pas ce que c'est que ce truc.
60, c'est pas fou 60. Hein. Et donc lui c'est un petit. J'ai peur que ça fasse beaucoup de dégâts, je sais pas ce que c'est. Ah, ça fait quoi alors? C'était tout? Ah, il fait proc, d'accord, il appelle des renforts. Ah. Je vais trop vite. Pas trop mal là, j'ai l'impression. À 60, ça passe. Ah, lui aussi il va se mettre en mode. Lui il faut qu'il aille le buter. Ça rapportera plus de renommée. Purge improvisée. Non mais vraiment 40%, super. Ah, fait chier. Okay. Tant pis. J'aurais préféré que ce soit lui qui kill. 8. Sérieux? Oh mais non, ça se passait pas trop mal jusque là. Pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi du vaisseur? Ah sérieux, 20% quoi. Bah oui, mais quel enfer de cul. Il va totalement décéder. Il m'en manque un quoi. Fait chier. C'est pas beau. C'est pas beau. Tiens, allez, chais. Dégage. Ah, j'aurais dû le laisser pour lui. Je suis con. Oh, ça passe. Cool. Tout va bien. C'est pas si pire. Tout va bien. 80%. S'il pouvait passer à 2, ce serait génial. Ah putain, c'est dommage. C'est dommage. Ce sera pour lui. Je ne vois rien. Bim. Ok. Non, non, non. Reculer. Putain, moins 62 varmes, sérieux? Oh, les gars. À quel moment on perd autant de monde? Oh, putain. J'ai même pas plus de renommée. What is the bullshit? Non, franchement, Loulou, t'es pénible, hein.
Repose-toi. On va pluie. Ça va pas me coûter. Ah, j'ai quand même quelques points. Ça va pas me coûter trop cher. Mais vu qu'il est. Il est new. Et aussi on peut. Non mais sérieux, t'es chiant, loulou. Putain, il est en train de me faire déménager mon bureau, quoi. Quelle renommée incroyable! On ne compte plus les soldats proprement. Ah ouais, non, mais c'est horrible. Coucou Sidix. Comment va? Destruction et quantité de dégâts directs que vous pouvez infliger naturellement à l'armure de l'ennemi. T'es dépensé pour déplacer, frapper plus fort. On va partir sur de la volonté. Confirmé. Lui, on n'aura pas assez du coup pour l'améliorer, c'est sûr. Ouais. On a deux gars à 4. C'est pas pou poulou poulou, mais c'est mieux que rien. Il est long, chapitre 3. Je finis le chapitre et après je switch. Et je vais finir le chapitre. Je pense qu'on devrait pas tarder à arriver à la Tessie. Parce que sinon on va tous mourir en fait. C'est un petit peu relou. Et là le pont se casse, fin du game, tout le monde décède. Oh la vache! Attendez, j'ai un petit problème. Je suis en short et. C'est pas très glamour, hein, mais je suis en short et ma chaise est en simili-cuir. Du coup, j'ai mon cul qui colle à la chaise, c'est très chiant. Ah, c'est tout cassé. Ça va, il y a quand même un peu de monde. Il y a quand même un petit peu de monde. On n'a pas tué tout le monde. Putain, pauvre grenouille, quoi. On va faire une minute de silence pour la grenouille. Gna. Alors faut. Par contre, si tu veux te mettre là, tu vires ta tête de là, loulou, parce que je vois rien. Qu'est-ce que c'est que ce foutoir? On dirait qu'une grande bataille a eu lieu ici, et récemment. Mais il ne reste que des cadavres de Dredge. Peut-être que l'on verra quelque chose depuis la tour. Dis au Varl de fouiller les bâtiments et assure-toi qu'aucun Dredge ne nous attend. Je m'en occupe. N'installe pas le campement et ne fais pas de feu. On va jeter un œil et se tirer d'ici avant qu'il se passe quelque chose. Toutou, avec ta grosse tête, je vois rien, toutou. Toutou. D'accord, ok, ça va se battre direct, un plaisir. Un plaisir, j'aurais bien aimé avoir un perso en plus. Il n'y a pas un petit. Putain, je ne connais pas lui. Alors, toi, tu vas venir te mettre là. Tu vas venir te mettre. On va tous les faire partir du même côté. Lui, c'est notre gros balèze. Si je le fous là. Non, c'est pas grave. Les deux, je leur bloque totalement le passage. Ce qui est un peu con. Du coup. Et c'est. Ah non, c'est bon. Bon, lui, il passera pas. Mais. Dès que je suis plus. Bah.
je le ferai bouger. Ah bah, parfait. Allez, tournicotis, tournicoton. On va pouvoir le finir. Il peut rester là du coup. Oh merde! On peut pas aller là-haut. Ah, oh, fait chier. C'est couillon ça. Ah, oh, il devait taper à deux. Il est parti. Il va partir faire bon. Nos deux vibromasseurs sur pattes. Ta gueule. Bon, lui il va faire mal. Lui il va faire mal. Qu'est-ce qu'il fait? Ok. Ah bah les deux sont morts. Ah. Ok. J'ai dans l'idée que marcher là-dessus c'est pas spécialement une excellente idée. Merde, mais du coup je me suis bloqué. Ça pète quand même. Oh putain, d'accord. Ah, pas cool. Pas cool. Je peux pas bouger. Merde. Oh, je me suis niquée toute seule. Ok, bon. Ouais, totalement la violence. Oh, mais ça me... Enfin, il est mort. Il est capoute. Ah putain, et lui je me le bloque aussi, ça fait chier. Je suis pas bien engagé là. Bon, ça va aller au final. Lui va se le prendre. S'il est mort, peut-être que ça va pas pouetter. Ce serait cool. Je peux pas passer. Est-ce que ma vie est nulle? Attends, je suis en train de me dire que ma vie c'est peut-être de la merde là, totalement. Putain. Au secours! C'est beaucoup trop long! Viens là! Non, non, pas fin du tour, non. Voilà, petit tour de cagole là. Bah non, t'en vas pas. Pas repas. Alors on va peut-être lui offrir à lui. On va lui offrir à lui. Il est tout neuf. Ah, c'est... Ouais. Voilà. Allez, c'est pour toi. C'est cadeau. Hop là. Tout s'est bien passé. On a un jambouli qui est tombé dans les pommes, mais voilà. Qu'on est blessé. Mais il va bien.
Vous vous appuyez contre le mur abîmé et regardez les vagues infinies de dredge en contrebas. Content, Hakon ? Demande Mogre. Le nombre de dredge, je vous rappelle, la Grande Guerre. J'en ai vu assez, répondez-vous. Partons d'ici. Mogre est debout devant le corps d'un homme et d'une femme. Tu penses que ces bâtards sont venus jusqu'ici pour ces deux-là ? Demande Mogre, devant son épée ensanglantée dans votre direction. Pourquoi est-ce qu'ils sont là ? Une idée de qui ils peuvent être ? L'homme porte des vêtements légers qui ne sont pas adaptés aux températures du Nord. La femme porte une robe ornée mais simple et un châle. Non mais quelque chose n'est pas normal, dit Mogre. Il s'arrête et pose son oreille contre la poitrine de l'homme. Il est vivant, dit-il. La femme est morte. Vous entendez le bruit du métal provenant de la cour en contrebas, étouffé par la neige. Vous jurez... Vite, reculez ! Attrape celui qui est vivant. Vous ôtez des marches alors que vous descendez hurlant des ordres au Varl en dessous. Mais non, mais... Arrêtez... retraite, hein. Vous réfléchissez sérieusement à ce que vous allez faire. Si la caravane fuit, elle subira certainement de lourdes pertes alors que les ennemis seront sur vos talons. Putain... Vous envisagez de créer un rempart autour du champ de bataille afin de gagner suffisamment de temps. C'est risqué, vous regardez sur l'attaque de plein fouet, mais vous pourrez peut-être sauver plus de vies sur le long terme. Dans 10 minutes, si tout va bien, je repasse quand je suis free. Pas de soucis, Marie, si tu me dis, je t'attends. Supervision. Examinant le champ de bataille, vous vous demandez si une approche stratégique serait la meilleure option. Vous vous reculez, mais vous pouvez vous battre. L'esprit clair, vas-y, suivez mes ordres. Vous restez en arrière et essayez de diriger la bataille du mieux que vous pouvez. Ouais. Ouah, sans déconner, on a perdu 240 personnes là. Oh, trop bien. Amen. Alors que vous mourrez, vos dernières pensées vont vers les milliers de dredge qui marchent vers une invasion, une autre guerre, l'histoire vous rappelle. Quoi ? Vous avez échoué ? Ah ! D'accord. Je suis décédée. Oh ! Non mais attends, on est revenu... On est revenu beaucoup trop loin. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Attendez, on va pas recommencer depuis le début du live. Ça, c'est pas possible. Quoi ? Putain, on est où ? Attends ! C'est là la dernière partie ? Putain ! Mais c'est quoi ce bordel ? Laissez-moi ! Vas-y, je retourne là. Non mais... Ok, ah, si on avait fait ça. On avait fait ça, gna gna gna. Partez. Oh, quel enfer du cul! Ah, on va se retaper les mecs. Ah, mais c'est ça. Il ne s'est rien passé, tout va bien. Ouah, est-ce qu'on s'est pris dans la gueule? Mais c'est chaud, parce que comment on va faire Là, je vois pas... Voilà, on a les jambobies partout. On voit des guerriers voir ce qui se passe, dites-vous. Ils disparaissent au sommet de la colline et vous continuez à marcher en attendant le retour. Ils ne sont toujours pas de retour. Plus de temps qu'il n'en faut. Ah oh putain, vous emmenez Morgue et une douzaine de guerriers avec vous. Vous marchez sur des dizaines de cadavres de dredge et de varles.
Avant d'arriver dans une clairière, des centaines de varles sont assis autour du feu, dont certains de ceux que vous avez envoyés. L'un d'entre eux tire sur sa pipe. Hakon, vous accueille-t-il? Vos guerriers ont dit que vous ne laisserez pas tomber. Ils vous expliquent qu'ils venaient de Chilid et se sont fait encercler puis ont allumé un feu quand ils vous ont vu. Désolé que vous ayez manqué le combat, grimace-t-il, alors que. Oh! Des nouveaux guerriers! Oui! Mais attends, est-ce qu'il n'y a pas genre des guerriers qui vont venir combattre avec moi, quoi? C'est bien mignon d'en rajouter, mais putain, moi je veux des héros là! Bon, déjà on a un peu plus de monde. 900. Là déjà, c'est pas pareil. C'est totalement pas pareil. Bon, on a bien fait d'aller voir. Vos guerriers demandent une pause. Ouais, on peut faire. Tout va bien. Ouais, bon, ça on l'a déjà vu, leur plan fumette là. J'ai l'impression de perdre l'esprit. Oui, bah on a vu. Donc ça, on s'en bat les couilles. On a fait, donc je passe, hein. J'essaye juste de voir si en faisant d'autres choses. Là, c'était pas un mauvais choix. On a presque 1000 varles. Bon, du coup. Bah, je pense qu'on va se préparer au combat, hein. En avant. On se lance dans la bataille. De toute façon, on va voir, hein. Au pire, on meurt. LOL. Alors lui, il va aller là. Lui, il va aller là. Lui, il va aller là. On va essayer de les laisser quand même pas trop loin les uns des autres. Oui, c'est ça, du coup, tout va bien. On est bien. Allez, un petit 10 dans sa gueule. Voilà. Allez, et deux. On va y arriver. Il va se faire saigner le cul si je le mets là. Il peut bouger jusqu'où? On va l'emmener là. Parce qu'avec un peu de chance, on aura peut-être le temps de les soigner. Putain, lui, il va avoir. Avoir beaucoup trop bobo. Je vais l'emmener là. Ah merde, j'aurais pas dû le mettre là. Il va me le keblo. Ah, il va me keblo, Jean Bobby. Allez hop, on va te faire celui-là, toi. Est-ce que tu as une étoile? Tiens, oui, tu as une étoile. Hop là, bisous. Je comprends pas qu'on soit mouru. Je ne comprends pas. Remarise. Bah écoute, j'arrive dès que j'arrive à m'en sortir. À 5. Bah j'aimerais bien ne pas prendre trop mon temps parce que je suis en train de crever comme une caca, ce qui m'embête un peu. Du coup. Qui recule. Oh là là.
Ça squatte encore. Putain. Il est où le loyer? Merde. Un de plus. Non. Tu veux du pain. Oh la vache. Ouais, va falloir que lui carry la game très clairement. À moins que ça. Tout va pas si mal que ça. On peut pas plus. J'espère que je vais pouvoir examiner le champ de bataille. Hop. Ok. Ok. Est-ce qu'on est sorti de la forêt? Hop, 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 hop. Tu. Attends, avant d'entrer dans la forêt, faites pas les cons, faites pas les cons. Voilà, on va soigner Jean-Bobby là. Merci. Est-ce que quelqu'un est en cours d'amélioration? Oui. Amélioré. Totalement. Ok. Et est-ce que lui aussi du coup? Ah, c'est à 20. Oh. Attends, il me manquait un point quoi. L'abus total. L'abus total. Allez. Bon, vu qu'on les a pinés à l'avant, normalement ça devrait être moins pire. Caché au plus profond de la forêt, vous avez le sentiment que les Dredge vous ont encerclé et qu'ils sont très nombreux. Ce n'est pas aussi grave que vous aviez déjà tué une partie. Après les autres combats, les guerriers étaient prêts. Des armes à pleine vitesse, l'arme au bouclier levé, prêt à vous battre. Les Dredge avaient beau savoir que vous arriviez, ils sont tout de même surpris alors que vous tranchez. Un de ces bâtards en deux, vous hurlez des ordres et engagez la bataille. Mais totalement en avant! Ouais, il faut qu'on chope des points là. Mais toujours que 4. Oh, ça va le faire. Voilà. Ok, à toutes. Et deux. 6. Pas cool. La pas coulance. À 90, il est vide, sérieusement? Ah, 8, ok. Lui, il fait chier. Mais... 90 passe pas, le 50 passe. Nani.
À 11. Tu vas voir comment tu vas prendre cher, mon pote. Allez, 12. DTC. Oh, con. Mal, mais il est à 2. On va le laisser kill. Voilà, amélioration, très bien. On s'en fout, ça décède. Sachant que ça fait deux fois. Qui décède Jean-Michel Bouclier. Ok, héros blessé, tout va bien. Bien. Tu. Normalement, on peut le up niveau 2. Voilà. On va booster ça en prime ça. Et lui, on peut le up aussi. Cool. Allez, on va y arriver. On a plus de 1000 soldats. Faut juste qu'on arrive à passer ça, je pense, pour finir le chapitre. Qu'on meure pas comme un gros caca. Je comprends toujours pas comment on est mort comme un gros caca, mais c'est... Ah, mais il y en avait encore là, je les avais pas vus, ces couillons. Que là, on va forcément se retaper le combat sur la montagne. Du coup, je vais en foutre un de l'autre côté, là, pour qu'il aille tataner les casteurs. De l'autre côté, c'est suffisant. Le truc, c'est que s'il faut s'enchaîner deux combats de suite, c'est là où c'est chaud du cul parce que les mecs ont pas regen quoi. Ok. Gna gna gna, on a vu, je m'en occupe, jeter un œil. Héros, bah du coup. Je sais pas, on va voir si ça peut sauvegarder ici, c'est bien quoi. Chargement. Ah! Putain, mais on avait totalement un chargement ici. On était peut-être pas obligé de tout se refaire en fait. Je suis peut-être une connasse. Peut-être. Eh bah, zou. Ok.
Ok, donc on a dit lui, on va le mettre là. Lui, on va le mettre là. Voilà. Mettre comme ça, lui il va aller s'occuper d'eux. On le défonce. Hop. Pas le temps pour ces conneries. Allez hop. Ah, ils sont trois par contre. C'est chiant. Ouais, non, mais c'est ça, c'est pour le plaisir. Il est 4-2 le con. Merde. Mais tu veux bien te virer tes pattes de mon clavier, toi? Ce chat était mignon. On va pas le faire avancer trop parce qu'il me semble que celui-là, c'est celui qui fait quelques dégâts. Donc voilà, on va y aller tranquillou, Pépérou. Lui, on va l'emmener là quand même. C'est lui qui va bouffer. Hein. Hop. Allez, toi tu dégages. C'est celui qui met les espèces de bombes à la con. Comme ça, déjà, ça, on n'a pas. Putain, il prend 6 dans la gueule quand même. Hein. C'est chaud. Il va venir me... Non, ça va. Pourquoi lui t'as pas un? C'est fou. On va les virer. Faut pas qu'il décède. Je n'ai aucun espoir s'il est sur le décès. Chaud pour lui, hein, par contre. Mais repose-toi. Ouh, j'ai cru qu'il allait le chercher. Il va être un peu dans le caca. Il va pas passer. Contre l'autre, il était bien, mais contre celui-là, c'est un peu le cacadas comme patatas. On voit trop pourquoi. Ça bouge. Ouais. Ah, un. Oh, il va venir me faire chier là. Quel enfoiré de merde. Repose-toi, toi. Battu.
faut que j'arrête de faire ça. Ok. Et c'est là que c'est la merde. C'est autrement, aucune idée. Ils ne sont pas habillés pour ça. Quelque chose n'est vraiment pas normal dans tout ça. La femme est morte, mais l'homme bouge. Parce que moi, il pose sa tête contre sa poitrine. Il respire encore. Entendez un bruit de métal. Voilà, et là, il dit à tout le monde de se barrer. On a une bonne chance d'être victorieux. Formation. Vous commencez à comparer les forces et les points faibles, prenant compte du terrain. Normalement, l'autre là. Si vous êtes prudent, vous devriez donner l'ordre. Oh ! Ah putain, je me prépare à rentrer dans la bataille. Mais non ! Mais rentre pas dans la bataille ! Ta mère ! Ça va pas bien se passer. Putain. Il est debout? Le mec est debout? Ah bah d'accord. Est-ce qu'on y va de front? Je sais pas si c'est une bonne idée. De toute façon, qu'est-ce que tu veux faire? Allez, faut qu'on arrive à win là. Sinon j'annonce une vague de dépression chez la streameuse yvinoise. Il faut qu'il puisse avancer de moi. Okay. Petite merde comme ça peut me faire plus de mal qu'un gros balourd à côté, quoi. Je comprends pas. Allez, dégage, quoi. Quoi? Non, c'est pas ça que je veux. Trop mal. 5. Je fais me fâcher. Bien sûr. Okay, là on va le virer de là. Qu'est-ce que tu fais? Putain! Non mais attends! C'est une blague! Quel petit con!
Putain, je pensais que j'avais perdu ma tranche de pain. Je croyais que j'étais devenue folle tout à l'heure en mangeant. Mais attends, j'avais totalement deux tranches de pain sur mon plateau. Elle est où ma tranche de pain? Bah oui, ce con de chat, il me l'a volé, il l'a planqué sous la table. Quel connard. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Il faut qu'il dégage, frappe, putain. Ouais, il faut vraiment qu'il dégage. Je vais bien te mettre là. Et on a eu du bol, hein, parce que je pensais pas qu'il se relèverait, les gars. Aïe. C'est pas parce qu'on est couché qu'on est décédé. Hein. J'ai un peu peur. Moi que ça passe. Vous prenez un nom pour examiner le champ de bataille, mais ils sont en train d'être repoussés vers les lignes arrières. Allez. Victoire. Tout va bien. Et qu'est-ce qui se passe? J'ai regardé le combat lorsque j'ai jeté un œil en bas, la cour fourmillée de Dredge. Je ne peux pas dire combien nous attendent dehors. Beaucoup. Si nous repassons par le pont, nous devrions nous battre. D'autres options? Pas vraiment, à moins que tu ne veuilles patauger dans la vallée, nous allons devoir partir par le même chemin que par lequel nous sommes arrivés. Akon, je pense que tu devrais venir voir. L'homme avait été recouvert... Quoi ? L'homme avait été recouvert et gisait près d'un petit mur, protégé par le vent. Je pense que cet homme est un magnien. Ça laisse plus de questions que de réponses. Les tisseurs de sorts ? Arin Horn ? Pourquoi ? Peut-être qu'il savait quelque chose sur ce qui s'est passé. S'il nous apprend quoi que ce soit d'utile, nous pourrions sortir d'ici vivants. Ouais, d'abord reposons-nous, s'il te plaît. Je suis d'accord, il faut décider comment nous allons défendre ce taudis s'il revient à l'attaque. Quelqu'un devrait le dire. Plus nous attendons, plus les dredges sont nombreux à nous attendre. Et plus le temps sera horrible. Peut-être que nous devrions partir maintenant. Écoute, c'est ta décision, Akon, mais nous ne pouvons pas nous contenter d'ignorer le problème cette fois. Il n'y a pas d'issue. Si les Varles meurent, si quelqu'un meurt au combat ici, nous devrons l'abandonner. Ah putain. Coucou Ragnaou. Ouais, ça se passe pas hyper bien. D'accord, je transmets hein, très rapidement. Il faut que je me repose. Il faut juste que je me repose. Laissez-moi me reposer. On va commencer les tours de garde, dit Morg. Qui sait ce que les Dreads vont fabriquer pendant ce temps? Non, par contre, tu te casses. Ils vont peut-être essayer de nous affamer, de nous épuiser et de se cacher les véritables nombres. Que vas-tu faire? Continuer à surveiller. Faire en sorte que tout le monde soit reposé et prêt. D'accord, dit-il. Lorsque tu es prêt, dis-le-moi. D'ici là, je m'assurerai que... Ok, très bien. Voilà. C'est ça que je veux vers... Héros. Heroes. Ah, c'est 10. Ok, super. Super! Nous sommes prêts. Quelle est notre stratégie? Alors, appâtez les dreads pour qu'ils attaquent et massacrent les. Traversez les premières lignes et ne vous arrêtez pas. Envoyez les protecteurs devant et combattez en défense. Allez-y à fond, frappez fort, massacrez-les, faites diversion, attirez leur attention et échappez-vous. Ça me paraît pas mal, ça. Je n'ai pas envie de l'admettre, dit Morg, mais c'est sûrement l'option la plus sûre. Mais je ne pense pas que nous les reverrons. Une expression étrange te lit sur son visage. Je vais prendre les devants, dit-il. Je peux faire en sorte que toi et les autres vous en sortiez. Quoi? Ah non, mais pas lui, c'est mort. Je ne sais pas combien de guerriers sont prêts à aller dans cette mission suicide, mais je vais leur demander. Il revient avec quelques guerriers, la plupart vous sont inconnus.
Il passe devant les autres. Non, parce que si là, sinon on se retrouve plus qu'à trois, enfin c'est mort. Il passe devant les autres et traverse le pont sous le bruit de la bataille. Vous entamez votre approche, mais avant d'avoir attiré l'attention de tous les Dredge, la plupart des Varles ont déjà été vaincus. Putain. À l'attaque, hurlez-vous alors qu'ils foncent vers vous. Oh. J'en peux plus! Je n'en peux plus! Je vais jamais y arriver! Laissez-moi tranquille! Oh, c'est les petites putes en plus, quoi. Super. Allez, dégage, gros con! Ah ouais, putain, c'est ça avec leurs petits cailloux là. C'est les pires. Non. Arrêtez! Quelle bande de cons. Ils me font chier. Hein. Non mais laissez-moi! Ça va faire pouette. Il va me faire 5. Non mais vraiment. Je vouais. Faut arrêter, messieurs, maintenant. Ça fait 2 fois que le chef il se retrouve Ishpin Kaput. À cause d'eux, là! Allez, meurs! Con de mime. Il a rien fait. Parce que c'est grave. Allez, ça c'est fait. On va peut-être pouvoir up Jean Bobby. Après, Doré étant massacré, vous vous arrêtez à examiner le champ de bataille. Vos guerriers sont aussi efficaces que vous l'aviez espéré. Heureusement, ils étaient assez nombreux pour réussir. Les Dredge sont furieux, mais tombent rapidement. Vous pensez pouvoir les distancer en toute sécurité. On se casse. Vous comptez les survivants, vous n'aimez pas vous dire que vous avez perdu autant d'hommes pour arriver ici alors que vous ne faites que suivre les conseils d'un magnien inconscient. Vous espérez que ça en valait la peine. S'il vous plaît, dis-moi que ça en vaut la peine. Donne-moi le camp. Donne-moi le camp! Je suis désolée les filles, j'arrive, mais là vous comprenez bien que... Ishpin le caca? Oh. Ça y est, on move! Oui! Quand est-ce que ça sauvegarde par contre? Là ça va sauvegarder, cool. Akon, rejoins-moi un moment, il y a quelque chose que je veux te montrer. Est-ce que c'est une soirée d'accueil à Grofheim Aubergiste? C'est la seule chose qui me ferait plaisir. Malheureusement non. Le manien de Ringhorn s'est réveillé. Il dit qu'il s'appelle Eivind. On dirait le nom d'un manien. Comment va-t-il? Putain mais j'ai dit non! Pas bien. Où sommes-nous?
une journée ou deux de Grofheim, nous t'avons trouvé dans la tour de Ringhorn. Que fais-tu là-bas ? Grofheim, non, 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 ce n'est pas le bon chemin. Juno, où est-elle ? Où est ma femme qui était avec moi ? Je dis non ! Elle n'a pas survécu, mon ami. Nous n'avons ramené que les vivants. Non, nous devons y retourner. Je ne crois pas, nous avons à peine réussi à nous en sortir il y a 2 semaines. Sais-tu pourquoi les Dredge grouillaient autour de Ringhorn ? Dredge, nous devons y retourner. C'est un satané tombeau, l'ami. Je suis désolée, Eivind. Elle était morte quand nous sommes arrivés. Nous devons dire à Jorundr ce qui s'est passé et se préparer pour une sacrée guerre. Alors si tu... Elle est morte, je n'ai pas réussi à la sauver. Je n'ai pas réussi à la sauver. Edwin a soudain l'air épuisé. Il tombe à terre et vous faites signe à certains Varl pour qu'il l'aide à monter sur la charrette. Ce n'est pas ce que j'espérais entendre, mais je ne sais pas trop ce que j'espérais. Allez, Hubin. Plus vite nous serons à un gros fait, mieux ce sera. Je veux un camp. Donne-moi un camp. Dread grips me as we approach Grofheim. None of us expected to see a city unscathed. But what Oula, d'accord. We find steals the very breath from my lungs. C'est la merde. C'est la merde. Oh, très bien, on va pouvoir arrêter. Trop de morts pour aujourd'hui. On retourne avec les autres gens Bobby ou... Je pense, hein, au final, ils vont se rejoindre à un moment. Ouah, si le deuxième retour il est toujours aussi ardu du cul. Qu'est-ce que je te dis, Rock ? L'homme au regard un peu fou se tient debout, sa hache pointée en votre direction devant une douzaine d'autres hommes. Et qui, l'espèce de bâtard ? Tu te rappelles ce que je t'ai dit ? Réfléchis bien ce que tu veux. Voilà ce qui t'attend. Et qu'il s'éloigne, il vous laisse vous débrouiller avec ces bandits. Oh non, mais les gars, s'il vous plaît, laissez-moi juste un camp que je sauvegarde et puis on n'en parle plus. Ever. Ce jeu qui ne te laisse pas t'en aller. Est-ce qu'on peut... Tu, j'ai dit non. Réponds pas effronté. Tu... Mais j'ai dit non. Ok, on peut la up. Lui, on peut le up. Je ne m'en sors pas. Bon, là, au moins, on a une team pour de vrai. C'est déjà ça. J'avoue que si on n'avait pas renvoyé le roi, on se serait peut-être, serait peut-être été un peu moins galère quand même cette histoire. Du coup, je propose qu'on envoie Jean-Bobby ici, Jacqueline ici, Jacqueline là, les deux Jean-Bobby là et Jean-Bobby là. Allez. Non mais eh, vraiment, Loulou, là, je... Tu me saoules. Point de dégâts. De destruction d'armement. Oh, bah, quitte à faire un point. T'en faire un de chaque, hein. On va piétiner le cadavre. Hop là, bim. Allez, chais. Par ici.
ici. Hop, hop. Voilà. Alors, bonjour, c'est moi que voilà. Ok. Pouvoir le finir rapido. Ah d'accord. Je suis sur qui? Mettre là. Cool. Sérieux? Oh les gros bâtards! J'ai même pas vu qu'elle était en PLS, Jacquelinette. Oh bah tant pis. Déception un peu, mais... Coucou David Léville. J'aimerais quitter ce jeu. Je n'aime pas l'admettre, mais je pense que tu as raison, Rock. Nous ne pouvons pas rester ici. Si nous ne sommes pas assassinés dans notre sommeil, les Dredge seront de toute façon bientôt là. Personne ne défend ces murailles. Vous voyez Alette regarder l'un des bandits. Elle penche la tête. Père, je crois qu'il est toujours vivant. Hiver le soulève par sa tunique. Il gémit sous la douleur. Pourquoi est-ce qu'il a essayé de nous tuer? Il est complètement fou. Tu l'as compris, non? Pourquoi est-ce que le chef de Frostfell placerait un homme complètement fou à la tête de ses gardes? C'est ce qu'il t'a dit. Il n'a jamais donné les commandes à Ekil. Dès que les portes se sont fermées et qu'il est entré dans la grande salle et a ouvert le chef comme un animal, je l'ai vu de mes yeux, et qu'il n'était pas un capitaine, regarde-le. Il s'est joué de nous, je ne suis pas surpris, cet endroit est un vrai piège. Où pouvons-nous aller? Je ne suis pas sûre que les Dredge ont déjà envahi le sud à cette heure-ci. Wyrmtoé est la seule solution, un tant soit peu logique, de l'autre côté du désert de glace. Je connais quelqu'un qui pourra peut-être vous aider. Et les Dredge ne nous suivront certainement pas dans ce désert de glace. Ils ne l'avaient pas fait pendant la Grande Guerre. Parce que c'est une menace de mort? Il n'y a presque plus de nourriture. Je sais où est qu'ils conservent les vivres. Je te le dirai, si tu m'emmènes avec toi. Comment sais-tu où sont les vivres? Et qui nous disait de donner des restes aux réfugiés? Pourquoi faire ça? Si les Dredge trouvent des survivants, il pensera que la ville n'a pas encore été touchée. C'est le pire. Récupère les vivres et tous les guerriers qui attendent désespérément de partir d'ici. Voilà qui va résoudre quelques problèmes. Si nous avons de la chance, je pourrais planter mon poignard dans ce bâtard d'Ekil. Dans tous les cas... Il va le sentir passer. Si tout à coup il n'a plus de nourriture, il changera peut-être d'avis. Comment t'appelles-tu? Onef. Pourquoi est-ce que tu... Je voulais juste savoir à qui je devais casser la gueule si les choses tournaient mal. Ok, au moins ça le mérite d'être clair. Oui! Ça y est, nous sommes dans un village. Oui. Oh.
Jacquelinette, elle va pas bien. Est-ce qu'on peut... Market, Supplio... Bon, on va juste up et totalement s'arrêter. Je sais pas si ça va le prendre en compte, par contre. Améliorer, confirmer. Faire un peu des deux. Allez, il y a un des jumeaux qui surpasse l'autre. Hop. Et Ivor. Ça va pas falloir qu'on fasse les cons parce que si on le perd lui aussi, je vais être en PLS total. Total. Du coup, si je fais quitter le jeu, oui. Je sais pas comment ça fonctionne les sauvegardes, j'espère que c'est bon. On est bon? Avec le bon nombre de héros, le bon level. Oh, magnifique. Très bien. Eh ben écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. On reprendra pas demain parce que Web TV, pas mercredi parce que Web TV FF, mais jeudi. Je commence à comprendre, hein, parce que je vous avoue que là sur les... Bon après, on a fait quoi, 1h30 ou 2h, pas plus, la dernière fois. Je me disais que c'était plutôt pépouce, parce qu'en vrai, les mecs, quand ils meurent au combat, ils meurent pas pour de vrai. Mais au final, je comprends pourquoi le jeu est un petit peu compliqué, vu que c'est totalement sur les choix de merde que tu fais pendant l'histoire, que les gens glissent dans des falaises et que rip la grenouille. C'est chiant. Donc bon. On va essayer de pas perdre... Bah non mais... On a tué Grenouille, Raniaou. On a voulu qu'il sauve un coffre, putain. Il a glissé, il s'est complètement démembré dans une falaise. J'en ai chié avec l'autre groupe. Mais de ouf, on était que 4. 4 pauvres pélos. Après ça va, c'est des Varles, du coup ils sont assez balèzes. Mais putain... J'avais trop les boules. Du coup, stop it pour aujourd'hui. On essaiera avec le deuxième groupe d'être plus prudent sur les choix. Du coup, on a eu notre premier game over aussi. Plutôt pas mal. La suite au prochain épisode.